Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la bonne humeur, la patate. On se retrouve tout de suite pour cette vidéo FAQ. C'est parti. C'est Cynthia qui m'a posé cette question. D'où t'es venue l'idée de faire YouTube avec un petit bisou? Merci à toi déjà de cette question. Alors, d'où m'est venue cette idée de faire des vidéos sur YouTube? Tout simplement, j'ai fait un atelier cinéma en 3e que j'ai beaucoup aimé. Voilà, au collège Californie à Angers, pour ceux qui connaissent. Petit atelier cinéma avec un petit film qui s'appelle Louis-tu, d'ailleurs, qui est sur ma chaîne. Si vous voulez le voir, je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, petit atelier cinéma que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer dans les vidéos sur YouTube. Question de Jus, qui se reconnaîtra dans la vidéo. Depuis quand tu as commencé? Donc depuis quand j'ai commencé? Ça fait 2 ans que j'ai commencé, hein, maintenant. 2 ans déjà que vous me supportez dans ces vidéos. Question de Eléa, qui nous dit, est-ce qu'il y aura des vidéos avec ta mamie? Alors, vidéo avec ma mamie, ça, je sais pas. Ça m'étonnerait, mais en tout cas, vous savez, en ce moment, je suis chez ma grand-mère pour des raisons professionnelles. Voilà. Alors, Megan, qui nous parle aussi de YouTube. Tu as des projets futurs pour YouTube, pour ta chaîne. Donc, des projets, on en a toujours des projets. Hein. Moi, surtout, mon rêve, c'est pour les timelapses, par exemple, d'avoir un drone. Mais vous savez que pour filmer avec un drone, il faut des autorisations. Donc, c'est un peu complexe, donc ce ne sera pas tout de suite, tout de suite. Peut-être qu'un jour ça se fera, mais il faut demander. Margot qui nous dit, est-ce que tu aimerais faire de YouTube ton métier? Alors, je pense que comme beaucoup de YouTubeurs, quand on démarre, on se dit, déjà c'est une passion hein, qu'on essaye de transmettre. Il ne faut pas démarrer YouTube en se disant, c'est un petit conseil au passage, les conseils d'Antoine. Non, je déconne. Il ne faut pas démarrer YouTube en se disant, je vais faire ça pour le business. Non. Je ne ferai jamais YouTube pour le business, puisque YouTube, pour être rémunéré, déjà il faut avoir beaucoup d'abonnés. Et puis ils ont durci leurs conditions de rémunération ces derniers. Nous dit Ali, que je connais bien, qui nous dit Ali le forceur, comme je l'appelle, c'est quand que tu vas venir à Tours? Alors, je dois venir à plein d'endroits déjà, mais effectivement, j'ai promis à Ali de venir pour faire un timelapse. Je viendrai cet été faire un timelapse chez toi, Ali, un timelapse de Tours, donc je vous l'annonce hein, dans cette vidéo, vous aurez un joli timelapse de la ville de Tours. As-tu des projets pour 2019 en vidéo de Amélie? Juste ici la question. Voilà, as-tu des projets en vidéo pour 2019? Alors pour 2019, c'est continuer essentiellement la chaîne de Les Shows, hein, parce que moi sur ma chaîne personnelle, on va continuer la Statue de la Liberté. Peut-être que si la Statue de la Liberté est finie en 2019, il y aura un nouveau bâtiment, qui sait. Mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment finir la Statue de la Liberté. On continue les timelapses. Et peut-être qu'il y aura le retour de Show Life. Qui sait, les amis, un jour, peut-être qu'il y aura le retour de cette série. Et d'ailleurs, Mathilde, elle nous a fait une mitraillette de questions. Ça a été... Mitraillette de questions. De Mathilde. Première question. Il nous pose plein de questions. Tu as quel âge? 20 ans. Oui, je fais encore des études, bien sûr, qui me dit continue comme ça aussi. Merci à toi hein, pour ton petit message, ça fait très plaisir. Des études dans la compta, voilà. Léo qui nous dit bien, écoutez bien, c'est par rapport aux allumettes. Les allumettes que vous allez voir partout à l'écran. Voilà. Comment tu as eu l'idée de faire des monuments en allumettes? Comment j'ai eu l'idée de faire un monument en allumettes? C'est un jour, je m'ennuyais, hein, on va dire ça comme ça, et je me suis dit, j'aime bien ce qu'il fait quand même dans le Nid de Conte, c'est un film que je regarde souvent, que je regarde même encore aujourd'hui. Je me suis dit, pourquoi pas faire, vous connaissez tous le Dîner de Conte, juste ici, petit discret. 01 47 47 39 63. Un jour, un mec m'a dit, j'aimerais bien la refaire chez moi parce que c'est super bien fait. Est-ce que tu pourrais faire des tutos? Alors je me suis dit, dans ce cas-là, je vais faire la construction de la tour Eiffel en allumette en vidéo. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire des constructions en allumette. On a aussi Mathilde qui me demande toujours, tu as quoi comme téléphone? J'ai un Samsung Galaxy J7. Je suis contre les iPhones, anti-iPhone. Alors là, je vais avoir plein de désabonnements sur la chaîne. Nassir qui nous dit, vas-tu faire des vidéos avec d'autres personnes? Alors, faire des vidéos avec d'autres personnes, j'en fais déjà sur la chaîne des Les Shows, qui est ma 2e chaîne que je vais vous mettre dans la description. Donc, n'hésitez pas
à aller faire un petit tour. Ça nous fera très plaisir. Panda, bienvenue à toi. C'est un petit panda. Nous aurons l'image de ce panda à l'écran. Oui, je voudrais savoir quel métier tu veux faire. Tu veux faire et si tu veux faire du cinéma plus tard. Alors, quel métier je veux faire dans l'excellent youtubeur, mais ça c'est à part ça. Mais ça c'est parce que c'est vraiment une passion. On va mettre dans la catégorie pire. Mais dans la meilleure, c'est chef d'entreprise. Voilà, je voudrais créer mon entreprise plus tard. Et est-ce que je veux faire du cinéma? Bonne question. Si l'occasion se présente, bien sûr. Après, oula, très longue question de Al Jimé. Qui est une fidèle, hein. De toute façon tous les fidèles m'ont posé des questions, qui nous dit, petit message d'ailleurs, merci à toi, je veux pas me complimenter en disant ça bien sûr, tes vidéos deviennent de plus en plus intéressantes, on ressent le travail derrière la caméra, je te souhaite encore plus d'abonnés, merci, on se le souhaite tous, hein. Je vous souhaite tous à tous ceux qui ont une chaîne YouTube et qui se regardent cette vidéo d'avoir encore plus d'abonnés, et je voulais savoir, penses-tu faire une vidéo avec des abonnés ou des proches? Alors, avec des abonnés et des proches, non, parce que c'est la famille, c'est le privé et tout ça. Mais par contre, avec des abonnés, c'est possible. Peut-être que ça viendra un jour, notamment si je fais un meet-up par jour. Ce qui n'est pas pour tout de suite, autant vous dire. Là, il y en a qui vont rigoler derrière leur écran. Et comment arrives-tu à avoir autant de patience pour tes constructions? Gros bisous. Merci à toi déjà pour ta question, ça m'a fait très plaisir. Pourquoi j'ai autant de patience? Parce que je dirais que j'aime bien faire ça. J'aime bien les constructions, les maquettes. D'ailleurs, j'ai une maquette de train dans mon grenier, donc vous voyez tellement que j'aime ça, quoi. C'est vraiment une passion de construire tout ça. C'est pas pour le fric, hein. Qui nous dit, qu'est-ce que tu aimes le plus dans Angers? Alors, Angers, qui est la ville où j'habite. Voilà. Je vous dirai pas plus. Donc, qu'est-ce que j'aime le plus dans Angers? Bah, tout simplement, ses monuments, son ambiance. Et puis c'est calme, c'est serein, voilà, on est bien, on est tranquille. En plus je suis dans un quartier où c'est assez calme, voilà, donc c'est cool. Alors, franchement, il n'y a pas de... On s'ennuie pas. Mais dans toutes les villes, on s'ennuie pas forcément. Il y a toujours des activités à faire, vous savez, même dans votre village ou dans votre ville. Et voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous de toutes vos questions, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère que j'en ai pas oublié certains, en tout cas ceux que j'ai oubliés, c'est sûrement parce que c'était des questions répétitives, mais ce sera noté, hein, vous savez, il y aura aussi marqué en dessous les autres prénoms qui ont posé ces questions. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo FAQ dans ce nouveau décor. Oui, il n'y a rien derrière, il y a strictement, si, y a un petit trou là, il n'y a strictement rien ici pour l'instant, il y aura un décor à l'avenir, je vous le promets, il y aura des petites choses pour que ce soit un peu plus sympa, un peu plus cool. Petite ambiance Antoine TV. Je déconne. N'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, bien sûr, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la petite clochette. N'oubliez pas, c'est important pour recevoir les notifs des vidéos. Sinon, vous devez me les demander. Mais je vous les donnerai avec plaisir, bien sûr, comme d'habitude. Je vous donne le lien avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux, hein, comme d'habitude. Allez, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye. Peace. We'll go.